Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser cette entête de l'aigle avec Microsoft Office Word. Et bien sûr, nous verrons également comment le remplir avec le contenu de nos collègues. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentiel Technologie, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour commencer, je vais me rendre dans Insertion. Puis je vais insérer un rectangle. Dans les remplissages, je vais sélectionner cette couleur et dans les contours, je vais sélectionner sans contour. Je vais faire un clic droit sur ma forme, puis je vais venir sur modifier les points. Je vais cliquer ici à l'angle et je vais gérer comme ceci. Je vais faire pareil ici. Vous le faites jusqu'à ce que cela convienne à ce que vous voulez réaliser. Lorsque c'est fait, vous appuyez sur Ancrer pour pouvoir valider. Insertion de nouveau. Je vais insérer un rectangle. Je vais dessiner mon rectangle comme ceci. Toujours en faisant un clic droit, je vais cliquer sur Modifier les points. Je vais cliquer sur ce point-ci et je vais faire un clic droit puis cliquer sur supprimer le point. Je vais cliquer sur ce point et faire pareil qu'avec l'autre. Cliquez également ici. Je vais valider sur Ancrer, déplacer cela un niveau ici et dans Reculer, je vais le mettre en arrière-plan. Je vais insérer un nouveau rectangle que je vais dessiner comme ceci. Clic droit, modifier les points. Cette fois-ci, je vais supprimer ce point-ci. Je vais cliquer ici. CTRL Z pour annuler.
Une fois ceci fait, je vais sélectionner ces deux formes. À maintenant la touche CTRL. Dans format de la forme et dans contour, je vais indiquer sans contour. Je vais maintenant sélectionner toutes ces formes. Dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Puis, je vais appuyer sur la touche CTRL D pour pouvoir dupliquer cette mise en fond. Dans rotation, je vais cliquer sur roter verticalement puis roter horizontalement. Et je vais le déplacer et le positionner tout en bas. Comme ceci. Voici ce que nous avons déjà. Maintenant, je vais insérer des zones de test et des images pour pouvoir mieux personnaliser. Dans Insertion, je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image puis cliquer sur Insérer. Dans Habillage, je vais cliquer sur Devant le test. Je vais le positionner ici. La taille, je vais mettre à 1,3. Je vais faire pareil pour la largeur. Dans le style de l'image, je vais sélectionner ce style-ci et je vais essayer de centrer mon image par rapport à ma page. Je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer une zone de texte que je vais dessiner. Dans les contours, je vais indiquer sans contour et je vais faire pareil. Pour le remplissage, aucun remplissage. Je vais changer la police d'écriture Make Comic Sans et la taille, je vais augmenter à une taille qui me convient. Je vais le mettre en gras et je vais sélectionner la couleur blanche. Je vais appuyer sur la touche CTRL D pour dupliquer et ici, je vais écrire le slogan. Je vais mettre la taille d'écriture à 14 et je vais enlever en gras. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer et le positionner ici. Je vais changer le test et mettre l'adresse, l'email, le numéro de téléphone et le site web. Ici, j'ai utilisé la même police d'écriture ainsi que la même taille et je l'ai fait s'ancrer à droite. Vous pouvez changer selon ce qui vous convient. Je vais insérer une nouvelle zone de test que je vais dessiner ici. C'est dans cette zone de test que nous devons rédiger le contenu de nos collègues. Assurez-vous que les espaces à gauche et à droite sont pareils. Une fois ceci fait, dans Contour, vous cliquez sur Sans contour et vous faites pareil pour le remplissage, aucun remplissage. Ici, vous écrivez vos collègues. Le mien, j'ai juste collé, donc c'est juste un exemple. Vous deviez le remplacer par votre contenu. Et si vous voulez ajouter une signature, c'est pareil que les autres. Donc, dans Insertion,
vous pouvez tout simplement insérer votre signature. Ou bien, si vous avez déjà votre signature dans un document Word, vous n'avez qu'à le copier et le coller ici. Pour moi, je vais juste coller ma signature et le positionner. Pour pouvoir l'imprimer, vous n'avez qu'à appuyer sur les touches CTRL et de votre clavier et vous devez l'imprimer facilement en cliquant sur le bouton imprimer. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.